C'est parti, la Roma qui donne le coup d'envoi. Voici l'équipe qui va démarrer du côté de la Roma. Voici les joueurs hein, retenus par l'entraîneur de Liverpool pour démarrer cette rencontre. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Ah oh, l'interception, il a tout anticipé. Il avance encore. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le premier. Non, ça ne passe pas. C'est arrêt du gardien. Nainggolan. Sadio Mané. On s'approche du but. Attention à la frappe. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Hein. Roberto Firmino. Oxlade-Chamberlain. Ouais, la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Personne. Attention à cette perte de balle au milieu. On s'approche de la zone de vérité. Mohamed Salah. Pas beaucoup d'opposition pour Liverpool de ce côté. Ah, c'est mal joué, la peine, il aurait dû attendre un peu. On écarte le jeu. Strootman. Edin Dzeko. Allez, après tout, pourquoi pas. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Oh, c'est bien donné en profondeur. Firmino qui peut créer le danger. Il en a le talent. Allez, la grosse occasion pour Sadio Mané. Oh, jeu. Oh, dommage. Il était tout seul. Florenzi. Nainggolan, Edin Dzeko. Il s'avance vers la surface. Ah oui, la bonne passe. Ah, trop appuyé cette passe. Oh, le ballon dangereux. Le gardien est sorti très vite. Oui, il n'a pas laissé le temps à l'attaquant de s'organiser. La passe est interceptée. Ah non, ça n'ira pas plus loin. De Rossi. Un bon ballon d'attaque là pour l'AS Roma. Mohamed Salah. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Nainggolan. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Strootman. Elle va être assez libre là pour la Roma. Il prend sa chance. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Et ce ballon qui est perdu. Fazio, Costas Manolas, Florenzi, le stade olympique de Rome qui appartient à la catégorie 4 des stades en Europe. Oui, c'est-à-dire qu'il peut accueillir notamment les grandes finales de Coupe d'Europe. Ça a d'ailleurs été le cas en 2009 avec la finale de la Ligue des Champions remportée 2-0 par Barcelone face à Manchester United.
Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ah, c'est finalement la défense qui a le dernier mot sur ce contre. Ah, il parvient à stopper cette offensive. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ah, Diadec, le tir. Oh, la transversale. Attention, oh, encore le montant. Naïgolan. Oh, le but, l'ouverture du score dans ce match. À la joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents, eux aussi. C'est le cauchemar hein, pour un défenseur. Dévier le ballon dans son but. Ça se joue souvent sur une fraction de seconde. Hein. Le temps de comprendre, c'est déjà trop tard. Kolarov. Non, non, ça ne passe pas. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Un bon ballon à jouer pour les Reds. La balle pour égaliser. Et le but. Bon, là, ils sont complètement démobilisés. Là. Juste après avoir marqué, c'est un manque de concentration stupide. Ah, alors ça, toucher le ballon sans parvenir à arrêter, ça arrive à tous les gardiens et ça fait jamais plaisir. Et ils égalisent donc un but partout. Golan. Peut-être une attaque intéressante pour la Roma. Strootman. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Il avance encore. Oh, il a du soutien, ça, ça peut être dangereux. Il choisit la frappe. Lorenzi. Ouais, la frappe. C'est presque la même hein, que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, c'était cadré. Ça change tout. Oh, ça peut tout changer s'il marque. 2 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. De Rossi. La frappe. Contrée. Ça part bien, action dangereuse. Kevin Strootman. Attention, le danger pour Dzeko. Le coup de sifflet de l'arbitre, il y avait hors-jeu. Voilà, la fin des 45 premières minutes. La seconde période qui débute à l'instant ici au Stadio Olimpico de Rome. Voyons comment Liverpool va développer cette action. En profond, le bon ballon. Ouais, très bien défendu. C'est le défenseur hein, qui touche le ballon en dernier. Corner donc. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? C'était pas mal du tout, hein, il a marqué un but. Et le gardien qui claque le ballon au-dessus de la barre. Et ça file en corner. Oh, j'ai cru que j'allais le rentrer, mais ça passe finalement à côté. Ah, il a pris le temps de l'ajuster, peut-être trop finalement. Wijnaldum, la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Oh, c'est capté par le gardien, bien joué. La défense a eu chaud sur ce coup-là, le gardien est resté très très vigilant, heureusement. Wijnaldum, avec un tir. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Toujours pas d'avantage à son équipe sur cette action, c'est bien vu de la part du gardien. Un corner qui va... Oh, le gardien qui s'en sort. Oh, c'était pas évident. Il était bien sur ses appuis, franchement, on peut le féliciter. De Rossi. Ah, facile la récupération. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Oxlade-Chamberlain.
Le ballon est perdu pour tout le monde là. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Roberto Firmino. Strootman. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Roberto Firmino. Strootman. Oh, c'est bien donné en profondeur. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah oui, le tir. Ils avaient vraiment l'occasion de prendre l'avantage au score. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le tir. Le gardien qui repousse. Oh, il la repousse comme il peut. Ce n'est pas terminé. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. On savoure une nouvelle fois cet arrêt. Ouais, il est chaud patate là, parce que je ne sais même pas comment il a fait pour la sortir. C'est magnifique en tout cas. Anderson qui va chercher la zone du point de pénalty. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Nathaniel Klein. Virgil van Dijk. Ah, une passe qui trouvera le gardien adverse. Edin Dzeko. De Rossi. Et si on repasse le ballon, ça fonctionne bien. Edin Dzeko. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? De Rossi. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Florenzi. Un bon ballon d'attaque là pour l'AS Roma. Il centre vers ses partenaires. Oh là là, quel manqué, mais. Ah, il en a sûrement mis des plus compliqués à l'entraînement, mais alors là. C'est clair, qu'est-ce qu'elle est moche cette tête. C'est un changement dans l'équipe de Liverpool. Hinder. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Ah, c'est sifflé, faute contre la Roma. C'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. James Milner. Ben Golan. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Ben-Golan. Dzeko. C'est passé tout près, hein, tout près de prendre l'avantage. Il l'aurait fait s'il avait marqué ce but, dommage. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et ce ballon est intercepté. Et aussi. Edin Dzeko. Oh, il est passé, l'action continue. Choisit la frappe. Oh, la bourde. On s'y attendait un peu, il va être remplacé. C'est complètement raté pour lui. Je pense qu'il sera d'accord avec nous. Allez, il ne faut pas se focaliser sur cette bourde. Ah, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ouais, on passe par les côtés. Rentrée pour un coéquipier. Oh, l'arrêt et l'arrêt du gardien qui va certainement permettre à l'équipe de conserver sa victoire. Ah, il savait qu'un but remettait les deux équipes à égalité. Ça lui a sûrement donné un petit supplément de motivation sur cette action. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Non, elle a été interceptée cette passe. Sous la pression de l'adversaire. Et
Le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche. On sent que la moindre accélération pourrait être fatale. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Allez, ça peut peut-être donner quelque chose. Attention, le tir. Oh, Firmino, très bonne position. Et le drapeau, attention, qui s'est mené hein, sur cette action. Être assistant à bien, le but est refusé. Il y a aussi un qui perd ce ballon. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Ah, ils n'ont plus le choix, hein. Ils doivent marquer sur cette action ou sinon jamais. Ngolan. Florenzi. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ah, il va se faire tacler. Ça y est, cette fois, c'est bel et bien fini. Coup de sifflet final de l'arbitre. Voilà, ça fait 2 matchs d'affilée que la victoire leur échappe. Il faut qu'ils trouvent une solution pour changer la donne. Oh, la transversale! On average side by side.